kono haraido particulièrement fi o kaka wadi kon ka cede ya wodo hidin andi ya mempa in seminary mido yewtu de min set fois ci hina ko wonno hankin wadata hande en nani no haray o audio do mo tawata haray ko do wonde fuddorade yewtere nen ka diverji kon dum wadi si tawi tigitigi on e galdo pays gidin di DCD fi affaire Niger on be nyawndai haray en developer e dum do modja ka samedi si Allah jabi fi wata video on juutu parce que ni bi modja non kon haray mi faala en tun andinde ma dum andintinen wonde ma Niger ko peyi mo tawata uranium no ton ko peyi no mo tawata on uranium wondo don hiden andi mojjingol o bomba atomique e kala ko inete fewdo do fayda wano energy uranium on tawete den andi mali no mari or hiden andi lagine no mari bauxite ido peyi ji fu ko par hasard e wi'i coup d'état ji wadi e majji kono ko ndo wadi sika Niger on burta wartane ide ilay mo modja wiwden en develop hay dun don hay sen jonni no kanyon kadi ndis ji go kono mi fala yon jentito do kam yewti on nanen kon ka introduction o contrandu ma dum o documentaire wala do expliquer wondema gibi coup d'état wadi avion je typique kanyon Niger innade ko avion je de kanyon prigozine addi ino tawa non e ken avion je typique hay sikanko yeddi o yidin image ji don ko image ji ko wado no Sudan reteno no mo yakon ko moni wolde do par rapport e Sudan on accusation gidin tonyo gongol ko wi avion je gibi lo 26 juillet motawata ko e den nyalande don ko wi a kon coup d'état wadi innama avion je typique e kanyum nyame ton tawde den avion je ko riusi de yuri inna non den avion je halino rondi tawbe ko mercenaire e maana ben tawbe ari fi wallita gol autorité Niger on dartagol impeyi an tasi attaque wadama ça veut dire donc haribe anduno ko ko be wadi do ko représailles wadai. Mais l'autre chose encore ko hanu don famugo c'est que formateur be kanyon kadi inna ma tawama e den avion je kipide onani audio on do ka introduction mere mais kanko Prigozine taw don ko kanko tonya o yalti o yetti o inina gonga o inni on video mo yimbe be yi don ka avion je woni e tipade o yeddali ko avion je risi o yeddali kanyon kadi den avion je ko avion je be tawata yimbe makko hari no der don wo kono be yimbe makko ko tipino be Sudan fewno taw no hari be hato injini e golle mabbe terlen Sudan don wadin do non posons rapidement do yen aro e contrandio parce que no di imbe be anda gravité ko fewndi kon ka sou région don be anda gravité ko be woni supportude be anda hore e binde ko be woni yewtude ma ko be woni wadde info yen andi Sudan fewndo do ko crise woni ton ko coup d'état e hore coup d'état Bashir bay wadana ma coup d'état on o ita c'était après plusieurs années gibi inna ko kanko ardi leydi ndi goddo go etti arène on naba haka inete don coup d'état on ino lanno de transition on gouvernement aramo tawata ko constitutionnel paf coup d'état go kanyon kadi wadi mo tawata ko généraux bi dido wonnobe kangoto qu'est-ce qui s'est passé entre-temps c'est qu'il y a andi entre Poutine et Prigozine haure wadi hakunde mabbe Prigozine on tawdo on kanko ko kala ka kawo woni kala ka désordre woni kanko ko don o mari gende cause makko ko do woni kanko o mari nafa makko on imu andite non ko ko moni yewden do ko révélation wonde wadde fino yo famo modja ko ma yiltito den baawo seeda ce qui veut dire koko yiwno don kon inna do coup d'état no wadde hore Poutine coup d'état on déjà fuddi ke wadugol Afrique ça veut dire quoi ça veut dire holli goddo yi gite mo burde ma hande yoje en fopi den andi Wagner ko kanko Poutine woni ko créé kono hande do kanko Prigozine ardi don Wagner o hebi implantation o hebi hande do dole e kala ka gere woni e wadude buri armée régulière russe ça veut dire hande nemnem mon kanko kadi o yina famudum et il se dit fi hondum mi pirana e goddo go mi acca don hore an en d'autres termes ko woni wadde kon fewndo do Sudan ko den hawre wonde entre makko kanko Prigozine et kanko Poutine voilà maintenant den don non kanyun kadi hawre de transportique ka région don de transportique plus particulièrement Niger dun do fofi itugol poson kon fala on yetade information ji di men hendi din hande do a marge kanyun o sommet wado do c'est que en réalité na Poutine woni bawo o coup d'état wado do Niger warin kanko Poutine o coup d'état do arrangeatamo parce que en réalité o ala ressources ji won itimudi fi yawgol darto yo wallito on gere wondo don pire d'ailleurs on gere memini do Niger on pargitanay mo bonnitana mo dindi o wado no tawno di sengo Guinée sengo Mali sengo Burkina dindi na fayno mo famé no mo yakko monion yewde do kon jentro lan hakkil bendi non hakkil e kon ko moni yewtude ndaron si tayhi ino wopi sawaba e sino hawriti e sawaba encore une fois si on watani yila gibi coup d'état on wadi kanko Poutine o wi ali mo tawti coup d'état on hay si condamnation makko on ko di bout de lèvres kono ko wi tigi tigi on imo fala yo kon ko be nata ordre constitutionnel on yo artire par contre kanko Prigozine en nani hayo audio do mo adressi e autorité Niger on ko do woni
kambe putis be ben don ka o fewti e mabbe o encourager be o inni mo wonde e mabbe o wallitato be mo tawti be pandan so tan kanko putin o kondani donc mi fala yon famo onon be panafricain be wube hande do yi don tawti kanyum putin mai don tawti coup d'etat wado nigeron hay onon on alana fay o coup d'etat do parce que en réalité on ko coup d'etat e der coup d'etat wari Prigozhin hande do woni ko uyni be wonbe wadde fewndo do ni o putse parce que ko putse encore Niger ko kanko uyni be inyo be wado o kudo parce que en même temps kadi himo wado de coup e hore kanko Putin donc honnêteté oblige objectivité oblige comment me rétablir sa ngonga do men andina on ko mercenaire be woni e forme de kadi mercenaire be sengo Niger do na kanko Putin de mi wawla dun do e français La tentative de coup d'état qui est en train de s'opérer aujourd'hui au Niger, bien que la Russie soit derrière, ce n'est pas du tout Poutine qui est derrière cette tentative de coup d'état. Il s'agit en réalité du même coup d'état dans le coup d'état qui se déroule en ce moment au Soudan, ou qui a l'impression aujourd'hui d'être déjà consommé, c'est-à-dire qu'il y a deux fractions rivales aujourd'hui qui sont au Soudan, qui créent une situation de désordre et de chaos. C'est la même chose qui s'installe aujourd'hui au Niger. Et quelles sont les causes de ce qui se passe aujourd'hui au Soudan et qui a tendance à se concrétiser ou à débuter au Niger? C'est en réalité la désobéissance civile ou la rébellion de Prigozhin contre son ancien bienfaiteur et maître, Poutine. Ce coup d'état ou cette tentative de coup d'état contre la personne de Poutine, qui avait avorté parce que justement Prigozhin a estimé que les dégâts allaient être énormes, c'est ce qui est en train de se faire sur la terre africaine, donc dans ces pays où on estime qu'il y a des coups d'état. En réalité, ce coup d'état ou cette tentative de coup d'état au Niger n'arrange pas du tout M. Poutine au moment où il essaye en réalité de se concentrer sur le front ukrainien qui est le plus proche à lui, où les enjeux sont énormes, il n'y a eu pas de trace au coup d'état. Et vous-même, si vous avez porté attention, il n'a pas du tout donné un soutien moral à ces nouveaux putschistes. Au contraire, il a demandé, même si c'est une condamnation du bout des lèvres, à ce qu'il y ait un rétablissement à l'ordre constitutionnel. Pendant ce temps, lui, Prigozhin, a ouvertement accueilli cette tentative de coup d'état, mieux ou pire, il a même offert ses services à ses putschistes au Niger. Donc vous comprenez très bien, vous les panafricains, vous qui estimez que la Russie est forte et que vous êtes pour la Russie et que vous êtes pour Poutine, comprenez que ce qui se passe au Niger n'est pas du tout l'œuvre de Poutine, même s'il y a derrière la main du Kremlin. Ce n'est pas du tout Poutine lui-même qui est derrière cette tentative de coup d'état, encore une fois, mais c'est Prigozhin, et c'est d'ailleurs, vous avez suivi ce documentaire qui explique que depuis cette tentative de coup d'état le 26 juillet, il y a eu l'atterrissage de plusieurs avions russes. Dans ces avions, il se trouvait des mercenaires russes et des formateurs qui devaient former ou bien soutenir ou appuyer les nouvelles autorités nigériennes. Ce que Prigozhin n'a pas du tout nié, en expliquant plutôt que les images ont été déplacées de leur contexte et qu'il s'agissait en réalité d'anciennes images du Soudan. Donc ça veut dire que lui-même il reconnaît qu'au Soudan il en a fait cas, il en a fait pareil, il en avait fait ça au Soudan plutôt, nous voulions dire, et que si toutefois il avait fait au Soudan où aujourd'hui nous assistons à une sorte de belligérance entre deux généraux qui étaient alliés hier mais qui sont devenus aujourd'hui des rivaux, parce que justement cette mésentente entre les deux chefs Poutine et Prigozhin se sont transportés en Afrique, voilà ce qui explique aujourd'hui Abdul Fattah Burhan et comment on appelle l'autre, la rivalité qui est entre les deux généraux. Donc c'est la même chose. L'autre chose aussi que vous devez comprendre, vous qui êtes des panafricains, vous qui estimez qu'aujourd'hui ce qui se passe au Niger mérite d'être soutenu, vous ne comprenez pas du tout l'enjeu et vous ne comprenez pas du tout la gravité de ce qui est en train de se passer. Et c'est en tout cela que l'opinion internationale, la communauté internationale a jugé utile de venir sauver ce peuple nigérien aujourd'hui, qui est manipulé, qui ne sait pas du tout ce qui est en train de se tramer en haut, cette manigance entre les nouvelles autorités qui ont été poussées à commettre ce coup d'état, qui en réalité, comme on a dit encore une fois, n'est pas du tout profitable à M. Poutine, parce que cela déjà a mobilisé cette communauté de la CDAO contre les putschs. Donc lui, il va voir les châteaux de cartes en train de s'écrouler au Mali, au Burkina, en Guinée, donc partout il y a ces transitions, la fin de la récréation a été sonnée, donc cela ne l'arrangeait pas parce que lui, sa priorité Poutine, c'est le front ukrainien, pas un autre front qui a été ouvert, et ce front-là a été ouvert par Poutine, par Prigozhin, et Prigozhin l'a fait dans deux desseins. Le premier, c'est celui de récupérer le terrain, d'avoir le dessus sur son ancien maître, mais en même temps aussi de compliquer la tâche à son ancien allié. Faute d'avoir réussi son coup d'état en Russie, il est en train de le réussir parce que ce qu'il fera là va se retourner contre son ancien maître, et c'est ce que vous devez comprendre. Voilà, yoni non.
en expliquer dum do en yewti wonande ben famobe ben aren non joni e okude o ko tawata hande yawtama do mi fala yon jenti to do Alassane Dramane Ouattara ko yewti do kon commenter no. Nous avons demandé que le président Bazoum soit libéré immédiatement et sans condition. Troisièmement, nous avons demandé que le président Bazoum soit réinstallé dans ses fonctions de président du Niger afin de s'occuper de la gestion de son pays comme celle-ci lui a été confiée par le peuple nigérien. Les chefs d'État de la CEDEAO, bien sûr, une fois que ces conditions seront remplies, les chefs d'État de la CEDEAO demanderont au président Bazoum de faire preuve de clémence en vue du renforcement de la réconciliation et de la démocratie. Nous avons réaffirmé aussi que les putschistes seront tenus pour responsables pour tout ce qui pourrait arriver au président Bazoum, à son épouse, aux membres de sa famille et à toutes les personnes détenues avec lui. Les putschistes sont tenus totalement responsables des sanctions imposées au Niger. C'est un point qui a été relevé par tous les chefs d'État. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, il n'y aurait pas eu de sanctions sur le peuple nigérien, frère. Et nous tenons à le souligner. La Côte d'Ivoire a des relations fortes et spéciales avec le Niger depuis le temps d'Amadou Diori et de Oufouet-Boigny. Et nous souffrons de voir le peuple frère du Niger soumis à des sanctions. Fermeture de banques, commerce interrompu, diminution de fourniture d'électricité. Mais nous tenons à dire que cela est la faute des putschistes. S'il n'y avait pas eu de tentative de coup d'État, cela ne serait pas arrivé. Je tiens à le souligner. Alors donc je demande personnellement, et les chefs d'État l'ont dit, nous demandons aux putschistes de mettre fin à la souffrance des Nigériens. Ça fait plus d'une semaine que ce pauvre peuple n'a pas d'électricité dans la plupart des régions. La nourriture commence par manquer. La famine pourrait s'installer dans le pays. Les gens ne peuvent retirer que 10 000 francs par jour et encore, ainsi de suite. Il faut mettre fin aux souffrances des Nigériens. Alors, la CEDEAO, vous savez, a fait sa part. Elle a dépêché plusieurs émissaires, dont le président Abdoussalam Abouakar et le sultan de Sokoto, Saad Abouakar. Mais ils n'ont pas été reçus par le chef de la junte et les putschistes. Cela est contraire à nos traditions africaines et constitue un manque de respect pour sa haute personnalité, pour le Nigeria et pour toute la CEDEAO. Ce n'est pas acceptable. La CEDEAO, en fonction de toutes les informations que nous avons obtenues, de constats, de manque de volonté de la part des putschistes de rendre le pouvoir au président démocratiquement élu, la CEDEAO, les chefs d'État ont décidé d'activer la force en attente et de déployer ses forces pour rétablir l'ordre constitutionnel au Niger. Les chefs d'État ont marqué un accord donc pour le déploiement des troupes d'un certain nombre de pays, dont la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire fournira un bataillon et a pris toutes les dispositions financières pour l'opération. Si elle doit durer 3 mois, les provisions seront faites au niveau budgétaire pour que nos soldats et nos officiers qui participeront à cette opération ne manquent de rien. Donc la Côte d'Ivoire est prête et je viens de donner instruction au chef d'état-major général des armées de commencer la mobilisation de ses troupes pour leur participation à cette opération de la CEDEAO. Je voudrais indiquer que ces décisions sont collectives, sont celles de la communauté des États de l'Afrique de l'Ouest. Ce ne sont pas des décisions qu'il faut attribuer à un État, que ce soit le Nigeria ou la Côte d'Ivoire ou le Bénin. Ces 3 pays déjà ont indiqué leur capacité. Donc, how you benana ta français ben, mi wolo e pula. Ba yalla wadi siko portugais wolata, siko espagnol wolata, siko français wolata, siko anglais wolata. No ton ko tawata on fopon wolay. Ba ko dun ari ton daro lando pula lo. Donc, ton how you mi firta na yon. Oko yewti do fop en 5 minutes, mi arana yedun do en 2 minutes kon woni point jet e yewti do dem fimo dun parce que déjà yon woli no fimo. De participer à cette opération. D'autres pays le feront bientôt. Donc la conférence des chefs d'État tient à le faire savoir que c'est une opération de la CEDEAO. Ce n'est pas une opération des Nigérians contre les Nigériens ou des Béninois contre les Nigériens, puisque ces 2 pays sont des pays voisins du Niger. Bien évidemment, ce n'est pas une opération ivoirienne contre nos frères nigériens. Mais nous sommes déterminés à réinstaller le président Bazoum dans sa fonction de président démocratiquement élu de la République du Niger. Nous appliquons ainsi les textes et les protocoles de notre communauté. Alors notre objectif, comme vous le constatez, est la paix et la stabilité dans notre sous-région. Et surtout, le bien-être de nos populations et le développement de nos pays. Depuis que des putschs sont arrivés dans la sous-région, on peut constater qu'aucun des pays où il y a eu un putsch n'a amélioré sa situation économique ou sa situation sécuritaire. Donc les coups d'État ne sont pas la solution. Et nous tenons à le faire savoir. C'est ce qui explique la gravité de cette situation et la volonté des chefs d'État que nous sommes à faire en sorte que
Que cela cesse. Je vous remercie. Voilà. Enough is enough. Trop, c'est trop. Il fallait sonner la fin de la récréation. Alors, il faut qu'on ait la centrale à l'endroit de la coyote. Je précise alors, non, parce que mes amis, ils m'ont dit un commentaire, ils m'ont dit qu'ils ont 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 dit nombre de voyages qui dit wadi ding et longues heures qui dit jodi dim be yowtude c'est wati don non dubi ding en taway koko woni yowtude do min tigi wonde watana ila sim do yowde do mi yowta ha wawa simi duppa woni ka yowtere kono kasolano tien dun do hay ko precision tumi wadi be wonbe wite ben oronki c'est vrai no hay wonde ka jara oronki kombo woni hande do ronkali o jawa jippo wondo e wadde do o joge o accite aw hare konko habano kon latike en nebi wolugol wiwden cette fois-ci goddun no arde woluden du wiwden feefa fe goddun no arde woluden dun e soso kono tuma mi yaltono mi woli du wobe arabe na fenayi atipaay nokku be ko ni wowi fusu wadata fusu be wadata habe jonni hay délai d'expiration mi yeti en kadi me windi on me windani on e publication wondema na nyande délai on expire na nje nyande attaque on wadata parce que kambe be jonni une semaine be da kany jonni 15 jours c'est-à-dire union africaine wiwden non ko ndu wadi si beeda jonni une semaine beeda jonni deux semaines ko parce que si délai aranon expire toujours be innay tawbe ben no droit intervenir ka do c'est-à-dire union africaine non tanke ben don appuyali taw me wawata activer hande kadi plan mo me marion pa me yogol attaque leydi wa atawa argol tung attaque famima quartier ma ville nan no way andi to ndu murado do bien ke be yewti fi mayrundu préparama no wodi wobbe go tawbe be jonnaka taw budget o attaque do konum daman watara yewti e yewter mabbe den kambe fo chef d'état be gogo taw wobe landike libération makko kanko bazum dimmel mum be landike kanyum gadi so libérama yo jonnete julere lamunde be wi non si dun do wadali kambe wado be tentative de coup d'état on do ko kambe woni responsable kanyum gurnda makko dan kanko bazum anditen non mi yewti no fi dun do e dia vidéo ji fejjudi wondema kanko bazum o wi hay si tay confirma ka wondema kala ko hebi mo yarlike hore makko kono non kadi be teni responsable kambe putsis be ben kala ko hebi mo e der di attaque yi do